Il sera court. Avec la permission de mon frère, le Rishon Etzion. Tout ça, je raconte que lorsque Rabbi Yochanan ben Zakkai a contemplé la destruction du Beth Amigdash, il a demandé à César une faveur. Il lui a demandé: donne-moi la ville de Yavne et ses sages. Toute la Torah qui se trouve en Eretz Israël, elle provient de Rabbi Yochanan ben Zakkai parce qu'il a demandé Yavne et ses sages. Il a établi un Sanhédrin, un tribunal, des enseignants, des Beddin. Et nous sommes jusqu'à aujourd'hui, nous poursuivons par son mérite. On lui demande Yavne et ses sages. Lorsqu'on approfondit pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans le judaïsme, après la Shoah, les Juifs des pays orientaux, du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, ils sont passés par la France. Ils ont fondé des communautés. Ils ont été dispersés dans toute la France. Et plusieurs endroits ont eu un mérite. Mais il manquait une conduite générale jusqu'à ce que vienne le Rav Sitruk. Et il a conduit vers le chemin de la Torah. Ça a été le premier qui a créé ce mouvement de Torah vrai et authentique en France. Akadosh Baruch Hu lui a donné cette faculté de pouvoir parler. Et il a pu rapprocher des milliers de personnes. C'est ce qui a permis à ce que des milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes étudient la Torah. Je me souviens comment mon père, le Rav Avadia Yosef, qui aimait le Rav Sitruk, qui aimait un amour d'âme, cette joie qu'il avait sur le mérite que le Rav Sitruk lui avait donné de dire des divrei Torah devant des milliers de personnes. Et même après cela, lorsqu'il était malade, il était extrêmement malade. C'était difficile d'expliquer les souffrances qu'il a vécues. Et on sait que beaucoup de personnes ont subi des souffrances. C'est pas la question. On parle pas de la grandeur de ses épreuves, mais comment il y a fait face, comment il a fait face à ses souffrances. Cette façon dont il a fait face, c'était des forces incroyables. Il était pas tour, il était dispensé d'étudier, de prier en public, mais pourtant, il était prêt à revenir, je me souviens. Il m'a raconté qu'il était rapide et pointilleux à étudier sa page quotidienne de Gemara. Des centaines de pages, mais il ne voulait pas renoncer. Il était assis à étudier encore des heures et des heures pour pouvoir terminer ce Dafa Yomi. Quelle conduite! C'est le conduit de la Torah, c'est le conduit de crainte du ciel. Et même quand il n'était pas encore le roi de France, il était le leader pour tout le monde de la Torah, pour tous les Juifs de France. Même après ses fonctions de roi de France, combien sont revenus à la Torah grâce à lui.
Il a tout fait pour ne pas accueillir l'annulation de l'étude de la Torah à cause de ses malades, de ses souffrances. Il a transformé ses souffrances par des souffrances d'amour qu'Hachem lui donnait. À part tous les dizaines de milliers de personnes qu'il a maintenues, qu'il a fondées, comme le rabbi Yaakov, Yaakov Sitruk, son fils qui habite ici en Israël, et qui fait beaucoup de choses extraordinaires pour l'Alia de France, pour les rapprocher, pour les rapprocher dans le chemin de Sibar. Comme le Rav Agaon, le Rav Yitzhak, qui étudie chez nous depuis plus de 20 ans avec une grande assiduité. Ou comme le Rav Ephraim, qui sont les enfants de ce truc. Ce Ephraim, il a sacrifié sa vie pour son père, pour l'aider, pour l'assister, un respect du père, comme on ne peut pas expliquer d'ailleurs. Rav Agaon, Rav Ariel Gay, le Rav Gay, le gendre du Rav, Baruch Hashem avec le Rav Sitruk, a pu ensemble fonder, établir ces institutions extraordinaires de Torah en France. Son gendre, Rav Kouriel, étudie, et tous ses membres de la famille, qui poursuivent son chemin. Rav Eliyahu, lui aussi, il prend le chemin de son père. Tous les gendres. Rav Eliyahu, son fils. Son père prie pour lui. Ça pas. Et nous prions tous. Et on demande. Rabbi Yosef Haïm, prie pour nous, prie pour le peuple d'Israël, prie pour le judaïsme de France que tu as conduit, nous sommes tous tes enfants, prie pour eux. La rabbanite, que ces jours soient prolongés jusqu'à la Géoula.